Voilà comment réaliser le montage audio avec Audacity. Et je vais d'abord chercher le rush, hein, l'enregistrement dont j'ai besoin pour le montage, le ou les enregistrements. Ici, je vais utiliser par exemple l'interview d'Artus. Je vais chercher le fichier audio qui est en WAV et je l'intègre sur mon banc de montage. Si j'ai besoin d'un deuxième fichier, je vais l'importer. Ici, ça va être le concert d'Artus, par exemple, qui risque d'être un petit peu long à importer, car le concert durait longtemps. Donc j'attends de bien importer mon fichier. Vous voyez qu'il est en point wave. C'est le fichier qui était présent sur le Zoom H4n, que j'ai transféré sur le réseau de l'établissement et que je vais insérer ici dans Audacity. Donc voilà le fichier. Alors, si je veux monter que l'interview, ici, je vais renommer le concert. Je vais zoomer un peu pour y voir plus clair. Voilà. Je peux même, en sélectionnant cette piste, faire en sorte qu'elle fasse toute la largeur, voilà, de mon écran. Je vais ajouter une piste stéréo pour pouvoir monter. Et ici, je vais sélectionner. Alors d'abord, comme là c'est un peu faible, je vais monter un petit peu le niveau sonore en faisant amplification. Vous allez voir, le niveau ici des crêtes va s'élever assez considérablement. Voilà. Pour écouter, je vais là. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Thomas Baudouin. J'ai pas besoin du début. La partie dont j'ai besoin, que je vais avoir écoutée, je la sélectionne. J'utilise cet outil pour copier et je la colle ici sur cette piste qui va me servir à monter mes éléments dans l'ordre. Je vais ici dans coller. Voilà. Je vais avoir besoin d'un élément plus loin dans l'interview ou d'un extrait du concert. Si j'ai besoin d'un extrait du concert, je vais sur cette piste, je sélectionne là, je vais dans copier, je vais ici coller. Pour rapprocher ces deux blocs, je vais utiliser cet outil et je vais rapprocher et coller mes deux morceaux. Si je dois, ensuite je reviens à l'outil sélection, si je dois affiner ma coupe, je peux zoomer. Si j'ai pas besoin de cette petite partie, par exemple, eh bien je peux la couper. Quand votre montage est fini, pour l'exporter, vous mettez muet les pistes de rush, hein, les pistes des enregistrements à la base. Votre piste de montage est là, fichier, exporter. Alors, vous exportez en MP3 en 256 kilobits par seconde. Pour vous, c'est sur le serveur. Moi, c'est sur ma clé USB. Venez nous demander pour exporter. Projet Web Radio 1V, par exemple. L'interview d'Artus. Je la sauvegarde. Et je fais OK. Il m'exporte mon fichier. Et je peux le retrouver maintenant sur le réseau.